Bonjour. Alors, je reviens vers vous pour le tuto, la partie numéro 2, décoration de la boîte. J'ai pas encore découpé, souvent on est le lendemain, j'ai pas encore découpé les papiers. Et on va faire la déco. J'ai regardé, je sais à peu près ce que je veux. Il n'y a que les papiers, si je sais aussi ce que je veux, je regarderai après. Alors, je voudrais mettre une fleur que Nancy m'a offert. Une belle étiquette que... comment? Claudine m'a crocheté. J'ai mis de la mousse derrière, parce que je voudrais qu'elle soit bombée. J'espère que je vais y réussir. Donc voilà. Et puis après, je collerai deux, trois petits trucs. Donc le pistolet à colle est chaud. Je regarde si je suis bien dans le champ. Hop. Voilà. En avant. Oui, j'avais envie d'autre chose. Je refais une tentative avec des bâtons de colle de chez Lidl. J'espère que ça va d'aller. Voilà. Alors, ma petite, je l'avais en décalage vers le bas. Donc, on va commencer. On va peut-être se mettre comme ça. Voilà. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais mis l'image à l'envers. Donc on voit pas trop qu'elle est molletonnée, mais c'est quand même assez douillé. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle là. Voilà. Donc voilà pour ça. Je voulais aussi mettre deux petits nœuds. C'est des nœuds que Nancy m'avait fait. Là, je me sers de ce que les copines m'ont fait. Donc l'image crochetée, la fleur, les petits nœuds. Parce qu'il faut bien s'en servir. À force de tout garder. Alors, Nancy m'avait donné des fleurs crochetées comme ça. Qui me plaisent beaucoup. Donc je vais en coller là. Il va falloir que je demande à Nancy où est-ce qu'elle les a eues. Parce que je les aime beaucoup. J'enlève des petits morceaux qui dépassent. Alors. Et je pense qu'après je vais mettre des petits papillons. Donc là, c'est des petites perles que m'a donné comment Manuela. Emmanuel plutôt, de la chaîne Manureva.
les pose sur le côté pour pas qu'on voit trop le trou. Il en manque une. Après, c'est vrai que j'aurais pu en mettre une petite marron. Je sais pas si je peux la retirer ici. Hop. Alors. Et je vais reprendre une petite marron. Un marron beige. Après, il faudra que je retire tous les fils pour que ça fasse joli. Après, on peut mettre aussi des demi-perles, hein, mais j'avais envie de mettre des petites perles. Alors, par contre, là, j'ai fait la cochonne. Maintenant, je vais mettre un ou deux petits papillons. Ça change un peu, ça fait romantique. Genre mariage aussi. J'en voulais une très chabi. Chabi chic. J'aime beaucoup. Donc on regarde pour les petits papillons. On met un là, un là. Alors, j'aime bien mettre par 3. Ouais, je pense que ça serait très bien comme ça. Par contre, est-ce que je les ancre ou je les laisse ou je vais mettre de la paillette? Tiens. Donc en plat 1, mais je pense que je vais quand même l'étaler. Je voulais pas l'étaler, mais ça fera plus joli étalé. En la une. Ensuite.
Donc ça, c'est une sorte de glossy qui vient de Art Deco, qui va très bien aussi. Voilà, petit torchon. Et on applique la paillette. Comme ça, ce sera très brillant. Mais ça restera blanc. Je suis désolée si vous entendez encore, mais c'est Roman qui regarde ses vidéos et ça braille tout le temps. Voilà. Alors, j'en mets un peu par terre. Je réessuie mon pinceau, je suis à vous. Si je retrouve mon paquet de lingettes, où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. Bon, je vais essuyer comme ça. Normalement, j'ai un paquet de lingettes, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Donc, comme c'est du tissu, je vais les coller avec de la colle chaude. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Je vois rien du tout. Donc moi je la trouve très très jolie. J'ai pas envie de mettre quelque chose de plus. Alors je vais regarder par contre pour le papier. Donc je mets sur pause 5 minutes. Alors j'ai envie de mettre ce papier là pour continuer dans le très doux, très romantique. Il y a celui-là, il y a le vert. Mon vert, c'est trop vert. Celui-là, il est pas mal. Ou autrement, il y a celui-là. Celui-là. Allez, on va mesurer. Du coup, ça, je devais pas le faire avec vous, mais je le fais. Alors, je remets mon vieux truc. Par contre, je ne vais peut-être pas le coller, je vais arrêter mon pistolet à colle le temps que je mesure et que je coupe. De toute façon, je vais pas le coller. Donc là, je pense qu'il faut un 6,5 sur, je l'avais dit hier, il me semble, 6,6. Donc 4 fois. Un petit crayon gris. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui nous sommes lundi de Pâques.
dernier jour des vacances. J'avoue que j'ai pas scrapé beaucoup ces vacances-ci. J'ai misé sur le repos, mais bon, je ne suis toujours pas reposée. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on avait dit 6,6. Alors, j'ai des massicots, hein, ne croyez pas que j'en ai pas. C'est juste que comment? Je trouve que c'est pas net. Donc là, il en faut 4 comme ça. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû garder la longueur, tant pis. Alors, ça y est, j'aurais économisé ça pour faire mon rectangle du milieu. J'ai pas pensé. Donc, plus comme ça. Alors, par contre, je vais essayer de mettre ça dans le bon sens, hein. Comme ça. Donc comme le coin là il est arrondi, je me demande si ça serait pas plus judicieux d'arrondir le coin. Ben oui, ça tombe pile poil du coup. Alors pour celui-ci, on va arrondir le coin du haut. Celui-ci, le coin du bas. Et là, voilà. Donc il me reste, vous voyez, si j'avais pas fait de bêtises, j'aurais pu avoir toute une ligne. Bah, tant pis, je vais garder ça pour autre chose. Je mettrai peut-être un embellissement dessus. Hop. Un petit peu de thé. Donc du coup j'en reprends une. À moins que je mette une autre couleur. Non, je vais tout faire pareil. Hop. Alors, j'ai mis où ma règle? Donc, quatre virgule huit. Fois 13,8. Alors.
Bien sûr, quand vous aurez cette vidéo, Florence aura reçu sa box, bien entendu. Voilà. Et celui des milieux, est-ce que je le... Ah non, c'est bon. Et voilà. Notre petite boîte est terminée. Donc je vais certainement refaire des embellissements. Comment? Je sais pas si je les colle ou pas. Ou peut-être mettre juste un point de colle. Comme ça. Hop. Parce que je crois que si je le colle pas, ça va toujours tomber. C'est pas le but. Et voilà. Donc je pense que je suis hors champ, mais bon. Pour comment? Pour mettre du double face, je pense que tout le monde sait mettre du double face. Après, je pense que je fais tout avec vous de A à Z, sans accélérer, sans rien, donc. Pour le reste, puis vous savez que je suis disponible pour vous répondre en MP sur Facebook. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. C'est la première fois que je mets des papiers en dessous. J'avoue que ça me plaît bien. J'aime beaucoup l'ensemble. J'en voulais une chabie. Bon après, voilà. Le souci c'est que là en dessous, du coup, on voit. Mais bon, les boîtes sont posées comme ça normalement. À moins que je mette quelque chose là, je ne sais pas. Non, je pense pas. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit tuto où je fais avec vous, parce que tuto c'est un bien grand mot, hein, vous aura plu. Je vais peut-être remettre un peu de colle en dessous de la fleur. J'en ai peut-être pas mis assez. Ah bah oui, j'ai éteint le pistolet. Bah tant pis, j'en remettrai tout à l'heure. Il me semble qu'elle bouge beaucoup. Donc voilà. Avec les petits papillons tout pailletés, moi j'aime beaucoup. Je retirerai les fils de colle quand tout sera
Maintenant, reste à la remplir. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto en deux parties vous aura plu. Je sais que j'aurais pu faire la déco hier en même temps, mais j'ai pas pu, donc voilà. Donc là, du coup, ça sera en deux parties. Je mettrai les deux parties le même jour, comme ça, vous verrez le résultat terminé. Bien que, à mon avis, vous le verrez dans la vidéo Swap Embellishment Box. Je vais peut-être faire quelques petits embellissements avec vous. Oui, je pense. Et ensuite, j'ai un swap avec Maria. Je vais faire une lady d'enveloppe et je referai une boîte. Je refais peut-être pas la boîte en même temps que vous, quoique, on verra. Mais du coup, je vais vous faire des vidéos genre tuto où je fais avec vous. Parce que tuto, c'est tout le monde sait faire. Donc voilà. J'espère qu'elle plaira à Flo, à Florence de Chouette Fantaisie. Je vous zoome. Voilà. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup. Il n'y a pas grand-chose, mais bon, bien sûr, vous allez me dire, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça non plus, ça non plus. En effet, mais il faut bien que j'utilise le matériel que mes copines me donnent. Donc, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. À bientôt.